We look to Yahweh, Yahweh, forever Yahweh, Yahweh. We look to Yahweh, Yahweh, forever Yahweh, Yahweh. He shall reign forever, he shall reign forever, he shall reign forever and ever. He shall reign forever, he shall reign forever, he shall reign forever. And ever, amen. Ouvrons notre Bible au livre de Deutéronome, chapitre 31. Deutéronome 31. Dernier conseil de Moïse. Les derniers conseils de Moïse. Deutéronome 31, verset 1 à 8. Moïse encourage le peuple. Et Josué, verset 1. Ici, à la fin de leur voyage dans le désert et au seuil de la conquête, Moïse se prépare à sortir du chemin, à quitter. Il va maintenant transférer son leadership à Josué. La priorité de Moïse est de s'assurer que la prochaine génération accorde une priorité à leur relation avec Dieu. Versets 2 à 6. Moïse a été interdit. Il a été interdit à Moïse d'entrer à Canaan en raison d'un acte antérieur d'incrédulité, de manque de foi, que nous trouvons dans Nombre 20, versets 1 à 13. Mais le plan de Dieu ne dépend d'aucun leader humain. Au lieu de cela, le plan de Dieu dépend plutôt uniquement du pouvoir de Yahweh de réaliser ses propres promesses envers son peuple. Par conséquent, à la lumière de la fidélité passée de Dieu, Moïse charge la nation d'être obéissante et sans peur. Il n'y a rien dont il devrait avoir peur. Dieu réussira ses promesses. Verset 7. Après sa forte charge envers le peuple, Moïse confie à Josué la même charge. Je cite, « Soyez forts et de bon courage. » Fin de citation. Dieu va apporter la victoire à cette nation. Josué n'est pas le seul responsable à prendre la terre. Il n'est pas le responsable à prendre la terre. Il est responsable de conduire la nation qui va prendre la terre à être fidèle à Dieu. Moïse assure à Israël la présence constante de Dieu avec eux. Ceci est appliqué par l'apôtre à tous les Israélites spirituels de Dieu, pour encourager leur foi et leur espérance. Notre évangile nous l'a prédit ainsi qu'à eux. Et ne te décevra jamais et ne t'abandonnera jamais, comme cela est dit dans Hébreux 13, verset 5. Moïse leur recommande Josué comme leader. Celui dont ils connurent depuis longtemps la sagesse, le courage et l'affection. Celui que Dieu avait nommé pour être leur chef et dont il serait propriétaire et bénira. Josué est ravi
d'être averti par Moïse d'être fort et de bon courage. Ceux qui ont Dieu avec eux marcheront bien. Par conséquent, ils doivent être de bon courage. Par l'intermédiaire de Dieu, faisons vaillamment, car par lui, nous ferons victorieusement. Si nous résistons au diable, il va fuir de nous. Deutéronome 31, versets 9 à 13. La loi doit être lue tous les 7 ans, toute 7e année. Versets 9 à 11. Moïse enregistre la loi de Dieu et commande ensuite au prêtre de s'assurer qu'elle soit lue tous les 7 ans à l'ensemble de la nation. Les prêtres doivent lire la loi pendant la fête du tabernacle. Des familles entières sont tenues d'assister à ce congé, ce qui signifie que la plupart des gens pourront entendre la lecture. En tant que nation, ils se souviendront de ce que Dieu exige pour qu'il reste une nation acceptable devant lui. Bien que nous lisions la parole en privé, nous ne devons pas penser qu'il est inutile de l'entendre lu en public. Cette lecture solennelle de la loi doit se faire dans l'année de la libération. L'année du pardon des dettes, l'année de libération des servants, des esclaves. L'année de la libération était typique de la grâce évangélique qui s'appelle l'année acceptable du Seigneur. Pour notre pardon et notre liberté par le Christ, engageons-nous à garder ces commandements. Il faut lire à tous les Israélites, hommes, femmes, enfants et étrangers. C'est la volonté de Dieu que tout le monde se familiarise avec sa parole. C'est une règle que tous, donc elle devrait être lu à tous. C'est une règle pour tous. Quiconque a lu les douleurs endurées par beaucoup de personnes pour obtenir des restes des Écritures, parce que c'est comme ça qu'on écrit à un certain moment, les Écritures étaient rares. On les trouvait sous terre, on continue même à les trouver sous terre, dans les grottes, et qu'on sort. Donc, quiconque a lu au sujet des douleurs endurées par beaucoup de personnes pour obtenir des restes des Écritures, lorsqu'une copie complète n'avait pas pu être obtenue en toute sécurité, verra à quel point nous devrions être reconnaissants pour les milliers de copies parmi nous aujourd'hui. Ils comprendront également la situation très différente dans laquelle les Israélites étaient placés pendant de nombreux âges. Mais le cœur de l'homme est si négligent que il se trouvera trop peu parmi eux pour connaître les vérités, les préceptes et le culte de Dieu. Deutéronome 31, versets 14 à 22, l'apostasie des Israélites prédite une chanson donnée pour témoigner contre eux.
Verset 14 à 18. La commission de Josué commence plutôt de façon inquiétante. Après que Josué est appelé au tabernacle, Dieu s'adresse à lui et à Moïse. Il dit à Moïse que les gens vont se retourner après leur entrée dans la terre. Leur idolâtrie apportera le jugement de Dieu. En entendant la révélation de Dieu à Moïse, Josué est préparé pour ce qui va arriver, ce qui adviendra. En tant que leader, il comprendra le contexte spirituel complet de ce qui se passe. Moïse et Josué avaient donc assisté à la divine majesté à la porte du tabernacle. On dit à Moïse qu'il va mourir bientôt. Même ceux qui sont les plus prêts et disposés à mourir doivent souvent se souvenir de l'arrivée de la mort. Le Seigneur dit à Moïse qu'après sa mort, l'alliance qu'il avait pris tant de peine à faire entre Israël et Yahweh, leur Dieu, serait certainement brisée. Israël abandonnerait. Alors Yahweh abandonnerait Israël. Justement, il élimine ceux qui l'ont injustement rejeté. Il rejette ceux qui l'ont injustement rejeté. Versets 19 à 22. Dieu commande à Moïse d'écrire une chanson pour décrire la rébellion des gens. De cette manière, lorsque les gens se rebellent et fuient de Dieu, la chanson servira de rappel et de responsabilité. La chanson de Moïse comprend à la fois le chemin de la repentance et l'avertissement du jugement à venir lorsque les gens s'écarteront de leur foi. Dieu est pleinement conscient de la tendance du corps, de la tendance du cœur humain à s'éloigner de lui. Et à la mesure dans laquelle ces gens vont se perdre. Pourtant, plutôt que de rejeter complètement la nation d'Israël, il les utilisera et donnera l'espoir qu'elle puisse avoir un cœur changé, qu'ils puissent avoir un cœur changé. Moïse est destiné à leur délivrer donc une chanson qui devrait rester un témoignage permanent de Dieu, aussi fidèle à ceux-ci en leur donnant un avertissement et contre eux en tant que personne fausse pour ne pas prendre l'avertissement. La parole de Dieu est un discernant des pensées. La parole de Dieu discerne les pensées et les intentions des cœurs des hommes et les rencontre par des reproches et des corrections. Les ministres qui prêchent la parole ne connaissent pas l'imagination des hommes, mais Dieu dont il est la parole connaît parfaitement ses pensées. Deutéronome 31, versets 23 à 30. La loi doit être livrée aux Lévites. Malgré cette connaissance que les gens vont tomber, le Seigneur ordonne formellement à Josué, lui donnant charge d'être fort et courageux, et lui assure un succès. Dieu sera fidèle à son plan. Le livre de la loi doit être placé à côté de l'arche plutôt que dedans.
Seuls les 10 commandements sont placés à l'intérieur, comme nous l'avons vu dans Exode 25, verset 16. Ce placement de la loi témoigne que les gens ne suivront pas la loi. Bien que ce soit une dure réalité, c'est aussi une expression de la grâce de Dieu. La remise solennelle du livre de la loi aux Lévites pour être déposé, ou plutôt à côté de l'arche, est encore reliable. La chanson qui suit dans le chapitre suivant est délivrée à Moïse et par lui au peuple. Le Seigneur l'a écrite d'abord, et comme l'a enseigné le Saint-Esprit, et l'a ensuite lu devant l'auditoire du peuple. Moïse leur dit clairement: je sais que après ma mort, vous vous corromprez complètement. Cela causa à cette bonne personne de Moïse de nombreuses pensées tristes, sans aucun doute. Mais son réconfort était qu'il avait accompli son devoir. Et c'est ça, nous devrions pouvoir dire à la fin de nos jours sur terre que j'ai accompli mon devoir devant Dieu. Et que Dieu serait glorifié dans leur dispersion, sinon dans leur établissement. Car la fondation de Dieu est sûre. Sachez cela et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Il y a cette annonce à partir du 1er juin, du 1er juillet, dans quelques jours, nous allons commencer un programme de prière et de jeûne de 40 jours. Ces deux dernières années, nous faisions un programme de 150 jours. Mais en demandant au Seigneur, en priant et en demandant la réponse que le Saint-Esprit nous a donnée, c'est que 40 jours, c'est suffisant. Nous ne devons pas être, si je peux répéter la parole qu'il a dit, nous ne devons pas être surjuste. Trop juste, un peu trop juste, un peu trop droit. Par conséquent, nous allons avoir des programmes de prêche qui commencent à 3 heures, heure de l'Est des États-Unis, ce qui correspond en Europe et en Afrique à 21 heures. Le programme, ce sera la livraison, la présentation de ce que le Saint-Esprit nous a donné chaque jour à 3 heures. Le jeûne, c'est un jeûne qui commence à minuit jusqu'à la fin, parce qu'on va casser le jeûne après la fin des prières, la fin de la délivrance, de la présentation de la parole de Dieu. Et que Dieu vous bénisse en participant à cet important programme. Prenons ces points de prière, prions pour l'orientation divine et la direction. Seigneur Yahweh, je viens hardiment devant ton trône de grâce, cherchant ta divine orientation et tes instructions concernant ma vie. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. C'est mon désir sincère de faire ta volonté, de sorte que ta volonté se fera dans ma vie sur la terre, comme c'est au ciel. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père, purifie-moi de toute sagesse mondaine, des motifs égoïstes, de la convoitise de la chair, de la convoitise de mes yeux et de l'orgueil de la vie qui pourrait m'écarter de ton but pour ma vie. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Puisses-tu me compter digne de ton appel. Merci Seigneur,
au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Et par ton pouvoir, tu accompliras tous les buts et tous les actes motivés par ma foi. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je demande ta sagesse à propos de mon avenir, sachant que tu donnes à tous généreusement et sans reproche. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je demande dans la foi, sans douter. Je m'attends à ce que tu me donnes la direction divine dans tous les domaines de ma vie. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je te remercie d'avance pour la sagesse que tu m'assures que tu me donneras. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Aide-moi à être fort et de bon courage, car tu me conduis dans la voie que je devrais suivre. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, donne-moi le courage de suivre la voie de la foi, pas le chemin de la peur. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Car tu ne m'as pas donné un esprit de peur, mais de pouvoir, d'amour et d'esprit. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je fais confiance à ta parole en croyant que tu ne me manqueras pas, que tu ne me manqueras pas et ne m'abandonneras pas. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ô mon Dieu, mène-moi dans ton chemin de justice et pars devant moi pour rendre tout lieu tortueux droit. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je suis humble et doux de cœur devant toi, alors guide-moi à mon jugement et enseigne-moi tes voies. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Cherche-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Essaie-moi et connais mes pensées, et vois s'il y a une manière méchante ou blessante en moi, et mène-moi dans la voie éternelle. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, dirige-moi dans ta vérité et enseigne-moi, car tu es le Dieu de mon salut. De toi, j'attends tous les jours. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Mène-moi dans un chemin ordinaire, de sorte que mes ennemis ne m'empêchent pas. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Envoie ta lumière et ta vérité, et permets-les de me diriger et de me guider dans tout ce que je fais et tout ce que je dis. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, en parcourant ce voyage, sois mon rocher et ma forteresse. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Montre-moi et guide-moi dans toutes mes affaires. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Et quand je crie que mon cœur est accablé, mène-moi au rocher qui est plus haut que moi. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Même au milieu de mon orage, que ta main me conduise et ta main droite me retienne. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Indique-moi la manière dont je devrais aller et que tes yeux me guident. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, et ton esprit est bon et me mènera dans la terre de la droiture. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, en cherchant ton visage, je promets de te faire confiance de tout mon cœur, de ne pas m'appuyer sur ma propre compréhension. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je te reconnais dans tout ce que je fais. Merci Seigneur,
Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je vais te permettre de diriger mon chemin afin que je puisse toujours entendre une voix derrière moi dire « C'est la voie à suivre » chaque fois que je tourne à droite ou à gauche. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, c'est mon désir de vivre une vie agréable avec toi, guidé par l'Esprit Saint tous les jours de ma vie. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, guide-moi continuellement et satisfais-moi. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ainsi, même mes saisons sèches seront un jardin arrosé avec un ressort d'eau dont les eaux ne manqueront jamais. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Guide-moi avec ton conseil, afin que après je puisse recevoir ta gloire. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, permets-moi de prendre le chemin que tu as mis devant moi et non le chemin de la moindre résistance. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Parce que la porte est étroite et difficile, celle qui mène à la vie, et il y a peu qui la trouvent. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie.